Voilà, on est reparti sur Final Fantasy VII Rebirth et on est toujours à Costa del Sol. On a fini par prendre tous les maillots. Donc on est paré pour aller à la plage. Vamos a la playa. Allez. Ah mais faut avouer que Tifa, ouais. J'attaque son maillot. Alors ça, c'est ce que j'appelle un look estival. Vous souhaitez aller sur la plage ? Bah non, je suis là pour À nous la plage. Et avec élégance. Wouah ! Wouah ! Comment elle se la pète ? Alors, t'en dis quoi ? Hein ? Tifa. On dirait que tu possèdes la souplesse d'un dauphin. Et Aerys, tu as l'air flexible, comme une méduse. Une méduse ? Mais t'écoutes à ça ? Désolé, mais je ne connais rien du tout en beauté humaine, moi. De vraie beauté ! Cloud, oui. C'est juste que il fait très chaud. Faites gaffe, allez pas prendre un coup de soleil, ça fait mal. Ça vaut encore plus pour toi, Cloud. Mais faut profiter. Wouhou, pas vrai? Oh. Oh. Allez, écartez-vous. Oh. Oh. Allez, reculez. Oh, Joe. Mais non. Vous ici, en voilà une agréable surprise. Non, je ne suis pas venu pour Aerys, rassurez-vous. Mais bien sûr, si tu acceptes de nous prêter assistance, ce sera avec grand plaisir. Tu peux toujours rêver. Peu importe. Vous allez me dire pour les. Un incroyable spectacle. Tu pourras peut-être y participer toi aussi. Oh, j'ai hâte de voir ça. Quelle bonne idée. C'est moi ou c'est chelou là de voir Ojo là avec des meufs comme ça autour de lui. Et on sait que c'est un gros pervers aussi. Hein. En travaillant pour la compagnie Shinra, je vous assure. Ah, c'est tentant. Il se trouve que j'ai justement besoin de femmes pour m'aider dans ma prochaine expérience. Imaginez ça, l'une de vous pourrait donner naissance au prochain héros de notre ère. Ce serait fou, professeur. Après tout, un héros d'une grande beauté impressionne ses ennemis d'autant plus facilement, n'est-ce pas? Car en fin de compte, ce n'est ni sa grandeur ni sa puissance qui font d'un homme un héros, mais plutôt le regard que ses pairs posent sur lui. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer? Ben, pas vraiment. Mais ça a l'air incroyable. Bienvenue, professeur. C'est un honneur de vous recevoir à Costa del Sol. J'espère que les... Tu as répondu à l'appel, toi aussi, n'est-ce pas? De quoi est-ce que tu parles? J'en déduis que tu n'en es pas conscient. Comme tu peux le voir, tous tes frères ont également fait le voyage pour se rassembler ici. Le parallèle. C'est pour ça que Genova en a après Cloud. Parce qu'il est très semblable. C'est pas des vrais clones, hein, mais ils ont des gènes de Genova, donc c'est logique. Spectacle.
Oh la ref! Let's go! Tifa elle est là-bas. Ben vas-y, il est Tifa. Frites à la playa. Allez, toi t'es choqué. Allez. Mais non. C'est fantastique. J'ai même réussi à mettre la main sur l'ancienne au passage. Je te souhaite une nouvelle fois la bienvenue. Putain. Mais non.
Merde. Voilà. Attends, mais je suis tout seul là contre lui, hein? Allez, Foufi! J'ai plus d'élixir. Ça se présente mal.
C'est trop bien. Attends, il y a rouge, il y a barrette. Elle est où Tifa? Tifa! Poussez-vous les gens. Tifa! Tifa, tu es où? Elle est où Tifa? Wesh Tifa, t'es où? Alors je me suis servi un Costa del Sol. J'en préparais parfois au septième ciel. On se disait qu'on rêverait de venir ici. L'époque où je travaillais au bar me paraît si loin. J'ai l'impression que ça fait des années. T'aimerais y retourner? Au bar? Bien sûr, un de ces jours. Mais pour l'instant, je sais très bien qu'on est obligé d'aller de l'avant. Même s'il m'arrive parfois d'avoir du vague à l'âme. Dis, je peux t'en faire un pour toi aussi si tu veux. Non, ça va. Mon prochain verre d'alcool, je le boirai quand on aura reconstruit le septième ciel. C'est ce qu'on a décidé avec Barrett. Quand est-ce que vous avez eu l'occasion de... C'est un secret. C'est bizarre comme secret, mais... C'est trop mignon. J'espère qu'on pourra revenir un jour pour regarder la mer, l'esprit libre de tout souci. Beau gosse. Regardez-moi ça. Elle est trop choupie. Je prendrais bien une photo, moi. Bon, par contre, je veux dire, c'est inexpressif les visages. Ils auraient pu faire un truc où tu mets un... quelques expressions en plus, quoi. Bon, voilà. Ben, ouais, ben, désolé, Iris. Midgar est là-bas. Au-delà de l'horizon, pas vrai? Ça c'est beau. Véritable mère, elle s'appelait Ifalna. À ma naissance, Ojo l'a fait capturer pour mener ses expériences. Parce que c'était une Citra. C'est pour cette raison que je le hais profondément. Il m'arrive même de me dire que je dois venger ma mère. Je me mets à penser à des choses horribles, à tel point que j'ai peur de moi-même. Ça arrive à tout le monde d'avoir des pensées de ce genre. C'est normal. Je sais pas trop. Ça m'inquiète quand même. Ne te torture pas. T'y penseras quand ce sera nécessaire.
Tu n'auras qu'à écouter ton cœur. Et quelle que soit ta décision, je serai là. T'es mon héros. Bon, on y va ? Je n'aurai qu'à écouter mon cœur, le moment venu. Oui, c'est plus simple. Quand on y sera, je compte sur toi. Ouais. Pas toi. Je disais ça à l'Iris du futur. Je pense. Il y a un message caché derrière. Une fille formidable. Tu verras quand on y sera. À cause de Hojo, c'est un vrai champ de bataille. Non. C'est aussi notre faute. Chaque fois que j'ai affaire à lui, je perds totalement mon sang-froid. Faut pas t'en vouloir. C'est l'adrénaline qui parle dans ce genre de cas. C'est tout à fait normal. Ouais. La prochaine fois, je lui saute à la gorge. Faut bien l'admettre. Yuffie nous a tirés d'un sacré pétrin. Et moi, j'ai rien pu faire pour sauver les manteaux noirs. C'est pas de ta faute. C'est Hojo qui les a tués. Y a pas moyen qu'on laisse ce sale type s'en sortir comme ça. Il va payer pour ses crimes, je le promets. La mer est magnifique. J'aimerais bien y amener Marlin. C'est trop beau. La mer est magnifique. Bon voilà, on a parlé à tout le monde là. On a parlé à tout le monde, ben let's go hein. Bon, prêt à partir. Ah, ça donne envie de partir en vacances. Un peu mouvementé. Bon, retournons à l'hôtel. Le gîte balnéaire d'où on voit pas la mer. Je vous attendais. Oh, le pauvre. Comment tu te sens? Il en faut plus pour m'abattre. En tout cas, tu nous as bien aidés. Au fait, faut que je vous dise, les filles de la plage qui ont vu ce que j'ai fait m'ont posé des questions à propos de l'hôtel. Elles m'ont expliqué que le maire était un escroc. J'ai honte, je me suis fait arnaquer. Je m'en étais pas rendu compte. Et ta dette? Ça doit être une grosse somme. Tu vas pouvoir la rembourser? T'inquiète pas. Les filles sont allées voir Capono pour qu'il arrête de me persécuter. Elles l'ont menacé de révéler ses méfaits au monde entier. Elles lui ont tellement mis la pression qu'il a cédé direct. Et résultat, ma dette, pouf, zéro. Oh, c'est bien fait. Je suis devenu le héros de la ville. Et vous allez voir, je vais faire de mon humble gîte un hôtel 7 étoiles dans les règles de l'art. Ouais, on a foi en toi. Pour l'instant, les étoiles, on les voit surtout à travers les trous dans le toit. C'est vrai, mais l'accueil est chaleureux. Ah non, j'ai mal. Oui, c'est vrai, merci. Eh ben, ça va, mon vieux. Ouais, allez. Je sens qu'il n'est pas au bout de ses peines.
C'est dingue comment je trouve les personnages encore plus attachants. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais le fait que ce soit, je sais pas, en 3D quoi, récent, ça ajoute une profondeur au personnage. C'est bien, c'est cool. Merci. Les expressions, les dialogues et tout. Y a pas de quoi. C'est moi qui vous remercie. Alors dis-moi, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? On va suivre les manteaux noirs. Ah bah, je les ai vus partir ce matin en direction du Mont Corel. Il y en a certains qui étaient blessés, mais impossible de les arrêter. Le Mont Corel. Alors c'est là qu'on va. Nous espérons que votre séjour vous a plu, messieurs dames. Bonne route. Soyez prudents. Ça y est. On est reparti. Vous m'avez quand même pas oublié, j'espère. Et... Oh, je suis parfois chasseuse exceptionnelle de matéria. Ou parfois, assassine sensationnelle. Et le plus souvent, shinobi de charme bienveillant. Mais quelle est ma véritable identité? Genre, tu peux refuser ? Attends, tu veux te battre ? Pour de vrai ? Non, parce que bon, pas besoin de violence. Si tu me le demandais gentiment, je pourrais accepter de vous rejoindre. Oh, mon plan a échoué. Je dois me replier. Ah merde, j'aurais dû mettre non. C'est quoi son problème ? Venir. Voilà ce que je voulais entendre. Alors, puisque vous insistez, j'accepte de vous rejoindre. Bienvenue, Yuffie. Un retour douloureux. T'as vraiment pas intérêt à nous faire un sale coup. Sinon, je te fous dans le canon de Junon et je te renvoie direct au Wutai, c'est clair? Oula! C'est bon, j'ai compris. Ouh. Yuffie Kisaragi, à votre service. Yuffie. Alors, je vais me mettre ici. Vous pouvez vous promener dans Costa del Sol en tenue de plage. Ou changer d'utiliser les cabines, ok. Il est désormais possible d'effectuer des déplacements rapides au bateau entre Costa del Sol et Sous-Junon. Pour utiliser cette fonction, adressez-vous au personnel du port, ok. Donc ça te permet de pouvoir continuer l'annexe dans le reste du monde, quoi. Ok. Ah, honnêtement, ils auraient pu mettre le fast travel, hein. D'aller parler à un NPC. Après, je pense que c'est pour cacher le temps de chargement, mais je vois pas l'intérêt. Ça, c'est dommage, tu vois, que tu peux pas utiliser le déplacement rapide. Hein. Bon. Alors attendez, moi je dois aller où là? Du coup.
Là, on peut sortir. Ce que je vois quand on peut aller vers là-bas. C'est quoi ça? Ah, genre, c'est le casson de chocobo. Là, t'as une quête annexe. On peut les prendre aussi, hein. Et on va sortir du coup. Les passagers qui ont réservé une chambre en poste pour faire une belle balade, louer des chocobos. Que diriez-vous de louer? Est-ce qu'on loue les chocobos ou pas? Il a tellement la classe. Excellent. Bon, nous revoilà dans le jeu, les gars. Ça y est. Il y a des monstres chelous là. Ok. Alors, voyons voir un peu cette map, du coup. Là, je vois qu'il y a un truc, donc on va directement le faire. Ça y est, on est vraiment en retour dans le jeu, là. Ça fait plaisir. Une tyrolienne. Trop bien. Bon, par contre, c'est un peu chiant. Allez, là-bas, la tour. La tour de transmission nous attend. Fait la toupie Beyblade lui là. Alors voyons voir Foufi. Foufi net, on va la mettre dans l'équipe. On va essayer un peu de s'amuser avec elle.
dit comme ça, c'est un peu chelou. Modifier. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Ah mais elle a déjà PV augmenté. Donc on peut lui mettre... On va mettre garde renforcée. Un dégât de feu plus. Elle a quoi comme matériel? On lui a pas mis de magie du coup. Elle a vol, ce qui est logique. Bravoure de voleuse. En cas de réussite de vol. Ah, vas-y, on va lui mettre quoi? Chocobo Mog, Léviathan. On est Léviathan. On va lui mettre... On va lui mettre un poignet de force accrue. Et j'ai pas grand chose en bracelet ou... Bon, du coup, je pense que le shuriken... On va lui laisser le shuriken de base. Je l'ai mis dans l'équipe, hein, ouais. C'est un câble, ok. Tu peux faire un déplacement rapide dessus. Ça, c'est cool. Alors, du coup... Ah. Il y a un ouhouhouhou. Tu vas où mon grand? Je compte sur toi. Lorsque la Shuriken Omega Yuffie effectue une série d'attaques en le faisant tourner. Bon, après, on connaît un petit peu par rapport à Intergrade, donc du coup, intermission. Yep. Ah bien.
Heureux que j'ai le café. Alors, je vois qu'on peut monter ici. Est-ce qu'il n'y a pas un truc... Non. Ok. Je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un truc planqué, mais non. Ok, cool. Ok, donc ça c'est le truc que je viens de prendre. Il y a un poulpe au sol, les gars. Garde ton sang-froid. Ah, ils ont des boucliers, c'est con. C'est quoi ces machins? Bon, ça aime pas la glace, hein. Oh, j'adore le gameplay de Yuffie. Ah, c'est quoi son... du coup? Je vais beaucoup aimer jouer avec Yuffie. Encore? Décidément. Oh, cette musique chill. Ce thème. C'est le truc, je pourrais le mettre en berceuse, quoi, tu vois. Du coup... Et ce thème, quand tu arrives dans un puits des rivières de la vie, là, j'adore. Alors, du coup, je voulais aller en bas, moi. D'accord, c'est... Ensemble.
Ok, d'accord, d'accord. Oh, je prends cher. Bon, quand ils sont comme ça, tu peux rien faire. Ça va sonner. Bon, ils vont pas être faciles, eux. Ah oui, Tifa, Tifa elle est tombée, d'accord. J'aurais même pas équipé. Ouais, c'est un peu relou. C'est un peu relou. Tellement classe. Attends, faut que je me presse.